Et voilà, hop, on y est. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, apparemment. Je vais essayer de suivre ici. Qu'est-ce que ça donne cette histoire? Voilà, que je puisse répondre à vos questions. Hop. Voilà. C'est bon, on y est. Salut, donc je vois que ouais, ça commence à rentrer un petit peu. On va laisser venir gentiment. J'ai failli être à la bourre. Mais ça va, je suis là. Alors. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Donc aujourd'hui, on va se retrouver du coup confinement. Hein. Pour ceux qui me suivent habituellement, vous le savez, j'ai déménagé, donc j'ai pas accès là pour le moment à la batterie acoustique. Donc on va se retrouver. Salut Richard. On va se retrouver derrière la batterie électronique. Vous inquiétez pas, ça va être la même idée. Hein. L'idée, c'est que je puisse répondre à certaines de vos questions dans la mesure du possible et vous donner, salut Jack, vous donner quelques petites astuces, notamment pour tous ceux qui débutent. Je sais que vous êtes nombreux à suivre ma chaîne pour les débutants et vous donner des bonnes astuces pour pouvoir commencer. Et puis, et de toute manière, je suis certainement pas le seul ici, entre vous et moi, à jouer sur batterie électronique. Donc voilà, on va voir un petit peu, ça va changer du premier confinement, voilà. Si j'ai moyen, pendant le confinement, de m'échapper, pourquoi pas, avec le bon papier qui va bien, pour faire ça en direct de chez Buddy, on verra. Et selon le temps que ça va durer, j'essaierai de faire au mieux. Salut Christiane, salut Muriel, voilà. Bon, ben on va essayer de commencer un petit peu, j'espère que tout le monde va bien. Je vais déplacer peut-être un petit peu la caméra de manière à ce que vous puissiez voir bien sûr la batterie de par derrière. Voilà. On va commencer peut-être par la base. Hein? Salut David. Eh bien écoute, avec plaisir. Voilà, donc je suppose qu'il y a pas mal de débutants là, sur tous les gens qui sont en train de rentrer sur le live. Alors, on va commencer par la base déjà, comment on tient sa baguette. Donc comment on tient sa baguette? Eh bien, entre le pouce et l'index. Alors moi je joue avec des Vic First, c'est pas du tout un placement de marque, mais je joue avec ça très généralement. De temps en temps aussi il y avait des Justin Larue, donc marque française, là par contre on est aux US. Donc entre le pouce et l'index, c'est-à-dire que je vais poser ma baguette hein, entre les deux phalanges ici dans le pli hein, de mon index. À peu près, si vous avez des Vic First, à peu près au niveau du drapeau, c'est là qu'on va avoir le meilleur point d'équilibre. Puis le pouce, lui, va venir dessus, d'accord? Ensuite, lorsqu'on va jouer, on va essayer de faire en sorte d'avoir une ligne droite entre l'olive de la baguette, le poignet et le coude. Voilà. Peu importe qu'on soit en jeu croisé ou en jeu ouvert. Voilà. Et bien sûr, on va jouer avec notre poignet et pas avec notre coude. Ça, c'est important. Vérifiez à pas avoir, du coup, dans votre jeu, des poignets qui vont partir en extérieur ou au contraire, qui vont partir en intérieur. Et bien sûr, nous on va se tenir bien droit et on va commencer tout simplement. Je sais pas, il y a peut-être certains d'entre vous qui êtes derrière les batteries, donc vous allez pouvoir faire en même temps que moi. Après, ne vous inquiétez pas, c'est un live, mais d'ici quelques heures, ça met assez de temps à peu près pour se mettre en ligne. Il y aura de toute manière un replay, vous pourrez revenir dessus sans aucun souci. Voilà, donc je vais placer hop ma petite caméra ici, voilà, derrière, de manière à ce que vous puissiez voir, voilà, la batterie de ce côté-là. Voilà, là ça va être un petit peu mieux. Et normalement, vous m'entendez. Et si ce n'est pas le cas, vous me le dites, je vais monter peut-être un petit peu plus le volume, mais je pense que c'est bon. Alors, est-ce qu'on est bon? Hola Juan Caballero. Allez, on est bon. On a fait un peu de son. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, là, comme ça, si vous débutez, pour vous échauffer déjà directement chez vous, ça va être de faire un exercice de croche et de double croche. Autrement dit, vous allez compter sur une première mesure 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Ok? Avec plaisir, Joël. Donc, on y va. Et sur cet exercice-là, moi, je vais faire un jeu en fait avec mes pieds qui vont marcher. Vous voyez, grosse caisse, charlé, grosse caisse, charlé, grosse caisse, charlé. Salut Eran! Hop, 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 ok. 1 et 2 et 3 et 4 et j'y vais. 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Et
Alors, salut Vincent. 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et puis, on va l'accélérer petit à petit. Voilà, vous faites ça suffisamment longtemps de manière à bien échauffer. Vous voyez, je ne serre pas complètement ma baguette. Hein. J'ouvre mon jeu, d'accord. Je tiens ma baguette par contre entre le pouce et l'index. Voilà. Donc là, voilà, je suis vraiment sur cette gestuelle-là de poignet. T'inquiète pas, Eran, t'as rien raté. On commence à peine. Donc, un bon geste de poignet, ça c'est important. Évidemment, ce qu'on aura fait à droite, si vous êtes derrière la batterie, vous pouvez le faire aussi. On va le faire de la main gauche également, ok. Donc ça va me faire ça, 3 et 4 et 1 et 3 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, je rigole du message de Boom qui dit « J'aimerais pas être ton voisin ». Alors, j'ai de la chance d'être dans un appartement relativement grand. Et là où je suis, je donne sur les extérieurs. Et alors, petite astuce, là, vous voyez, ici, là où je frappe avec ma baguette. Voilà, par exemple, là. Ça, ce sont des surfaces caoutchouc. Si c'est le cas chez vous, hein, si vous êtes en appart, c'est, vous trouvez ça à Castorama ou peu importe, le Roi Merlin, ce que vous voulez, un magasin de bricolage. Ce sont des dalles de 60 par 60, généralement, qu'on met sous les machines à laver. C'est du caoutchouc compressé, comme il y a dans les aires de jeu pour enfants, là, pour pas qu'ils se fassent mal. C'est le même principe. Donc, vous posez ça, vous délimitez tout le tour de votre batterie. Ensuite, par-dessus, vous allez mettre un bon tapis. Ce qui fait que, ben, en fait, les frappes, parce que le pire chez les voisins, c'est pas forcément le son de votre batterie électronique sur la sono, mais ça va être les impacts lorsque vous allez frapper sur les pads et taper la grosse caisse. Et le fait de mettre ce caoutchouc-là plus le tapis, ça a fait un petit effet silent block qui fait que ben, les vibrations ne partent pas dans le sol et donc ne partent pas chez le voisin. Jusque-là, mes voisins ne sont pas encore venus sonner, donc je pense que tout va bien. Voilà. Ah, Josué, boum, ok, c'est ton petit nom. Donc, Josué qui est un de mes élèves présentiels, voilà. Toi, tes voisins adorent quand tu joues. Ben, tu m'étonnes, hein, en confinement, il faut bien les occuper. Je lis un petit peu les questions de David. J'ai fait du air batterie. J'ai que les baguettes, là. Je passe pour un fou. Ouais. Alors, Air Batterie, il y a un truc qui est pas mal qui s'appelle l'Aérodrum. Tu verras dans mes playlists. C'est un petit logiciel sympa qui est assez intéressant. Là, pour le coup, tu fais vraiment zéro bruit. Hein. L'Aérodrum, ça fonctionne avec un ordinateur. Ensuite, il y a une espèce de petite caméra qui est vendue avec, type les caméras qu'il y a sur les PS4. Je crois que c'est un truc comme ça. Et avec une lumière, une forte lumière à LED, et des réflecteurs de lumière sur tes baguettes et sur tes chaussures. Donc, et de ce fait-là, ben, tu vas pouvoir entendre au casque ou sur une sono ben, une batterie en faisant du air batterie. Donc voilà, ça s'appelle l'Aérodrum. Je vous l'écris si vous voulez. Comme ça, ça restera dans les messages. Et franchement, c'est assez sympa. Aérodrum. Et pas Aérodrum. Voilà, hop, voilà, c'est noté. Donc voilà, on a fait. Que la main droite, que la main gauche, je vous invite à faire aussi eh bien, le frisé. Pour ceux qui ont un niveau de batterie un petit peu plus évolué, plutôt que de faire un pied en croche, okay, qui va marcher comme ça, 1 et 2 et 3, etc., etc., vous allez pouvoir faire au niveau des pieds 1, chute, 3, 4, 1, chute, 3, 4, 1. Vous voyez, un pied samba, on appelle ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et je vois les petites parenthèses qui me font rire dans vos messages. Nous avons un grand chanceux, Eran, qui est à La Réunion et lui, pas de confinement. Mais ouais, t'as bien de la chance. J'ai un de mes cousins qui est d'ailleurs sur ton caillou là-bas, à La Réunion, et qui aussi n'est pas confiné. Donc, il est bien content, le Breton, d'être parti en vacances à La Réunion. Voilà. Donc, je vous fais cet exercice en frisé où là, maintenant, en fait, je vais faire avec ce pied samba. Un et boum, deux. Et poum 3, et poum 4, et poum 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Allez, mais je vais y aller. 3,
et 4, et puis on y va. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Merci Jerry pour ton message et bienvenue. 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et poum, 2, et poum, 3, et poum, 4, et poum, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, ce genre d'exercice-là, vous pouvez le faire aussi sur tout le tour de votre batterie, ok? Salut Valala, on y va, ça pourrait donner ça. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ce qui fait que là, vous faites vos exercices techniques au niveau de vos poignets. En plus, vous vous déplacez à la batterie et qui plus est, vous êtes aussi en train de travailler une indépendance puisque vos pieds sont en train de faire un autre rythme en dessous. Donc ça, c'est très, très intéressant. Toutes ces partitions-là ont déjà été vues dans d'autres vidéos que j'ai faites. Hein, voilà. On va continuer maintenant avec le roulé. Donc le roulé, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc deux coups par main. Okay, donc là, je vais faire ça. Pareil, je reprends un pied simple. Donc je vais me remettre sur le pied en croche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, et c'est parti. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3. 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, qui fait même sur ma batterie, 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2, le pied s'en bas, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Pour tous vos petits exercices techniques, on peut aussi aller sur le moulin hein, par la suite. Voilà. Sur du triolet, tu peux aussi. Hein, je vois voilà, Clément qui demande. 1 et 2 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc on peut le travailler ça en triolet, on peut le travailler en sextolet, on peut le travailler en triple croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, jusqu'à la quadruple croche, ça peut se travailler dans tous les sens. Voilà, ça, il n'y a aucun souci. Comment travailler l'indépendance? Et bien là, on y est en plein. Si je vous fais une petite étude de partition, par exemple, moi, un que j'aime bien faire exercice d'indépendance, eh bien, c'est celui-là. Voilà, je vais vous le montrer. Je vous avance vers la partition. Voilà. Je peux pas retourner l'écran. Donc, je vais essayer de faire ça comme ça. J'attends de voir que ça puisse se cadrer. Ouais, ça me semble pas mal. Voilà. Hop. Est-ce qu'on est bon? Voilà, ce premier exercice-là. Alors, moi, je vous conseille vraiment là, de suite, de faire une capture d'écran et de le notifier. Donc, c'est le fameux pied sans bas qui fait 1, 3, 4, 1, chute, 3, 4, 1, chute, 3, 4, 1, chute, 3, 4, 1. Au-dessus, on a des ronds et des points, d'accord? Bon, ces ronds sont là pour parler de la main droite et les points de la main gauche.
Donc tout ça, c'est du frisé. C'est un coup par main. Droite, gauche, 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 droite, gauche. Vraiment, notez-le. Ça, c'est très très intéressant. Notez-le ça. Ensuite, vous allez repérer que le 3, ici, il y aura un coup fort sur ce 3, un coup fort sur ce 1, un coup fort sur ce 1, sur le 4, puis sur le 3. Voilà. Je vous laisse le temps de le noter tranquillement. Et ça va être un premier exercice assez sympa. Alors, est-ce que vous voyez tout? On a les quatre temps. Voilà, si quelqu'un ne l'a pas noté, qu'il me fasse un petit message, comme ça je peux le voir. C'est le moyen de communication qu'on a, c'est le chat qui est à côté. C'est bon pour vous, du coup, je peux l'enlever. Voilà, j'essaierai peut-être de le mettre en PDF un peu plus tard quand la vidéo sera en ligne en replay. J'essaierai de mettre ce petit truc-là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour répondre à la question de Eran, depuis quand je suis prof de batterie? Alors, pour la petite histoire, ben, j'ai commencé la batterie à l'âge de 6 ans. On va pas se mentir, j'en ai 43. Voilà. Et je donne des cours depuis mes 20 ans, on va dire. Voilà. Donc, ça fait 23 ans que je donne des cours. J'ai pas fait que ça, hein. J'ai fait beaucoup de tournées. J'ai été musicien militaire pendant 10 ans. Voilà, j'ai fait un peu de tout, joué avec plusieurs groupes. Bon, maintenant, je suis là-dedans et dans plein d'autres choses. Ouais, le parfait, ouais, le PDF, je le mettrai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour travailler cette samba, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà essayer, parce que vous allez voir que ce n'est pas évident, de faire ben, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le frisé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pendant que vos pieds vont faire la grosse caisse sur le 1, sur le 4, d'accord? Voilà l'emplacement de la grosse caisse, le chiffre 1, le chiffre 4. L'emplacement du charlet frappé pied gauche, ce sera le numéro 3. 1, rien, 3, 4, 1, rien, 3, 4, 1, chute, 3, 4, 1, chute, charlet, grosse caisse, chute, charlet, grosse caisse, voilà. Ça, c'est très important qu'on puisse avoir ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire au-dessus notre main en frisé, qui va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Les chiffres 1 et les chiffres 3, c'est-à-dire les chiffres impairs, seront joués de la main droite, tandis que les chiffres pairs, 2 et 4, seront joués de la main gauche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Déjà essayez de faire cet exercice et voyez un petit peu ce que ça peut donner. Même du air batterie ou sur vos genoux. On n'est pas obligé d'être à la batterie. Essayez déjà de faire ça, voir ce que ça donne. Parce que ça, c'est déjà un premier exercice pas évident lorsqu'on débute. Et peut-être pas si évident même quand ça fait quelques années qu'on joue et qu'on n'a jamais fait ça. Faites-moi quelques petits retours un petit peu là sur le chat pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça passe bien? Est-ce que c'est un peu compliqué? J'attends de voir un petit peu ce que ça donne. Clément, c'est chaud. Eh ouais, voilà. Alors important, moi je vous conseille vraiment de l'avoir en partition, que ça soit écrit. Vincent, ça passe, très bien. Super. Voilà, on a ceux qui jouent depuis un petit moment, qui sont un peu à l'aise, ceux qui démarrent, là, on a un peu tout le monde hein, se retrouve là sur ma chaîne. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller du premier 1 au deuxième 1. Je m'explique sur voilà, la partition. On va aller de ce 1 ici à ce 1. Pas plus loin. Par contre, on va jouer toutes les notes faibles, sauf le 3 d'ici et le 1 de là. Cela, on va vraiment les jouer très très faible, ok? Et le chute, comme tu dis David, ben, ce coup-ci, il va falloir le jouer. C'est la note numéro 2 qui sera jouée main gauche et faible, sans qu'elle soit jouée forte. Voilà. Alors on va regarder ce que ça donne. Au niveau des mains déjà, rien que les mains, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1. Ok, je refais. 1, 2, 3, 4, 1. Et je refais. 1, 2, 3, 4, 1. Vous avez vu, j'ai relevé que mon 3 est le deuxième 1. 1, 2, 3, 4, 1. Il y avait les pieds. 1, 2, 3, 4, 1. Et je recommence.
1, 2, 3, 4, 1. Et je refais. 1, 2, 3, 4, 1. Ouais, vous inquiétez pas, le PDF, je le remettrai. Hein. 1, 2, 3, 4, 1. Et je refais. 1, 2, 3, 4, 1. Et. 1, 2, 3, 4, 1. Et. Et là, on a une petite question de Ran. Est-ce que c'est important que les tomes soient bas pour faire un break? Ben, il faut qu'ils soient surtout, comment dire, que tu puisses les avoir accessibles. Si tu dois monter tes coudes, tu vois, pour aller taper le tome, là, moi, si j'y vais, je suis dessus, direct. J'accroche rien, je passe direct parce qu'ils sont accessibles. Ils sont en dessous de mon jeu, ok? Donc, évitez d'avoir des tomes soit trop penchés à la verticale vers vous, légèrement inclinés un petit peu, voilà, pas à plat, mais presque, et que, voilà, je vienne dessus directement sans avoir à aller accrocher, du coup, sur le cercle de votre tome à la batterie acoustique, hein, voilà. OK ? On va continuer un petit peu cette histoire. On va maintenant essayer d'aller jusqu'au troisième 1. Donc, sur ma partition qui est là, et que bien sûr, je vous mettrai un PDF une fois qu'il y aura le replay, hein, sera dans le descriptif de la vidéo. Voilà, on va aller du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc, on va marquer ce 3, ce 1, et le troisième 1 sur lequel, d'ailleurs, on va s'arrêter. Donc, on va aller jusque-là. Trois, quatre, un. Et puis je m'arrête. Je peux garder les pieds comme ça pour rester stable sur ces pieds qui sont pas forcément évidents à passer. 1, 2, 3, 4, 1. Et puis je refais. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, plein de fois comme ça jusqu'à qu'on puisse arriver un petit peu à le monter. Bon, on va continuer notre aventure. On est arrivé jusqu'à ce 1. Ok. On va donc aller maintenant au quatrième 1. Et là, on fait bien attention, on va avoir une petite diagonale de la mort, comme je dis, puisqu'on va avoir une main gauche en même temps qu'un pied droit. Et ça, des fois, c'est pas évident. C'est là qu'on a des problèmes d'indépendance. Hein, voilà. C'est quand on fait des diagonales. C'est-à-dire qu'on travaille un hémisphère haut droit, par exemple ma main droite, avec un hémisphère bas gauche, mon pied gauche. Et inversement, ma main gauche avec mon pied droit. Voilà. Et là, on a un 4, donc accent. Accent 3, 1, 1, 4. Tout le reste est faible et on va s'arrêter sur ce petit 1 là. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1. Et on va continuer. Alors, bien sûr, à la maison, ça prendra plus de temps, hein, tout ce qu'on fait là. Hein. Là, on y va tranquillou, mais ça va vous prendre un peu de temps. Alors, on va continuer un petit peu. On va donc essayer d'aller de ce 1 et de revenir au 1 du début. On va jouer notre mesure en entier, ce coup-ci, en entier, totalement. Alors, voilà ce que ça va donner. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1. Je suis revenu au début. Voilà maintenant comment je vais travailler. Je vais garder le petit frisé à la caisse claire. Et dès que je le sens, je rejoue mes 5 accents. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et ça, c'est quelque chose qui va être très rapide, hein. Une samba, c'est à peu près ce tempo.
Alors, vous avez entendu là le bon tempo, une vraie ambiance brésilienne, tout simplement parce que qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai modifié sur cette partition-là? Eh bien, un ici, je l'ai remplacé, cette caisse claire, par un tome 1, c'est-à-dire le tome aigu, ici. Ok? Le 1 d'ici, je l'ai remplacé par le tome 3, le plus grave, ici. Etc. Tome 1, tome 3, tome 1, tome 3. Et je garde le code de ces accents-là. Et quoi qu'il en soit, lorsque je joue les tomes, eh bien, là, je joue fort ces tomes-là. Il faut qu'il soit fort. Voilà. Tum, 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 tum. Ça, il faut que ça reste. C'est très, très important. C'est ce que fait le sourdo dans une batucada, hein, quand vous avez tous les percussionnistes. Là, vous faites plein de partitions en même temps. Hein, voilà. Donc, il y a plein de dérivés de cette samba qu'on pourra voir sur d'autres cours de que je vais vous faire comme ça de temps en temps pendant ce confinement. Ouais, vitesse, ça, ouais, ça tire. Alors, 200, je sais pas. Mais ouais, peut-être pas loin. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte, mon clic, là? Hop. Ça me donne quoi, ça? Bon, moi, vite. Bon, sur moi, vite, je vais te le trouver. Voilà, par exemple, je suis à 134, hein, donc on monte quand même à 200. Voilà. Donc si je montais 110, 120, c'est déjà très joli, quoi. Très, très joli, un joli score. Et voilà, l'idéal, ça va être ouais, dans les 140. Entre 130 et 140, on sera vraiment bien dans le truc, quoi. Voilà. Salut Nabil. Qu'est-ce qu'on peut voir comme exercice d'indépendance aussi assez facile à comprendre? Alors voilà ce que je vous propose de faire. Hop, attraper un petit bout de partition, un petit crayon, et je vais vous écrire un petit exercice tout simple, vous allez voir, qui est assez intéressant pour développer cette indépendance. Allez, je prends mon petit papier à musique. Je vais écrire un rythme que vous savez tous très certainement jouer. Voilà. Hop. Si vous pouvez, vous pouvez même le noter si vous voulez. Donc là, il va y avoir 8 croches jouées à la cymbale ride. Ok, donc vous faites vos 8 croix en haut de votre partition, de votre papier, de ce que vous avez pour noter aujourd'hui. Voilà, et ça va donc être la ride. Moi, je fais un petit trait en dessous de mes croix pour les différencier du charlet. Si je fais un petit trait, c'est que je joue de la ride. Hein? Voilà, il y en a 8. 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà, 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, sous le 1 et sous le 3, je vais planter une grosse caisse. Grosse caisse au 1, grosse caisse au 3. Ce qui va me donner ceci. On est bon? Je continue. Sous le 2 et sous le 4, vous vous en doutez, je vais donc mettre une caisse claire. J'obtiens donc ce rythme-là. Rythme que vous avez toutes et tous joué sans problème. Maintenant, je viens y ajouter eh bien, un petit pied gauche qui va venir frapper le charlet systématiquement à tous les « et ». Voilà, je vous fais une petite flèche. Voilà ce que va devenir ma partition. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Vous avez pigé l'idée, hein? Donc voilà, là vous me voyez à la batterie. Si je ne mets pas le charlet, je suis donc en train de jouer ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Salut petit Fabrice. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et
froid, voilà, vous voyez bien. Alors, on voit pas le charlet sourire, évidemment, puisque c'est une acoustique. Je vais vous baisser un peu, là, comme ça, vous allez voir. Mon pied gauche, ici, sur les « et ». 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et... Salut Anne, t'inquiète pas, il y aura un replay, tu pourras revenir sur les 30 premières minutes du début, il n'y a pas de souci. Bonjour à toi, alors je vois une question d'Alexandre. Sur une batterie acoustique, comment règles-tu ta peau de frappe par rapport à celle de résonance? Alors, sur une batterie acoustique, en fait, concernant le réglage, moi ce que je fais, c'est que j'enlève la peau de frappe, pour commencer. Je dévisse ma peau de frappe. Et je vais d'abord aller accorder que ma peau de résonance. Je vais chercher le son qui va me plaire sur cette peau de résonance en mettant la tension voulue, l'aigu, le grave que je souhaite. Et gentiment, avec le doigt, je vais aller frapper dessus parce qu'une peau de résonance est très, très fragile. Donc, si vous frappez avec la baguette, vous allez risquer de l'abîmer, voire même carrément de la transpercer. Ce sont des peaux généralement qui sont très, très fines. Donc, voilà, je vais chercher une harmonique gentiment avec le doigt, comme ça, en tapotant sur la peau, qui va me plaire. Et une fois que j'ai ça, eh bien, ensuite, je vais aller poser ma peau de frappe et aller régler ma tension. Mais déjà, ma fondamentale, pour moi, elle est dans la peau de résonance. Donc, je vais commencer par régler ma peau de résonance en ayant, au préalable, enlevé la peau de frappe. Voilà, c'est comme ça que je procède. Voilà. Donc, on revient à nos petits moutons sur cet exercice qui fait 1 et 2 et 3 et 4 et... On pourrait continuer de garder ce charlet, par exemple, en faisant un break très, très simple aussi, qui serait de faire des doubles croches en tour de batterie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Et par contre, au niveau du 3, je t'en prie Alexandre, au niveau du 3, je vais venir aller frapper mon charlet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Systématiquement, donc l'emplacement de ce charlet sera sous la troisième double, mais aussi sous le « et » de la croche. Donc, si je fais une mesure de pattern et une mesure de break, voilà ce que ça va me donner. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et etc. Voilà. Ensuite, je peux augmenter le tempo. Voilà comment je passe mes petits trucs d'indépendance. Alors, question, merci pour le contenu, avec plaisir. Petite question de matos, quelle est la pédale de charlet que tu utilises parce que la FD8 n'est vraiment pas top? Alors, je suis nul en nombre de matos, surtout en électronique. Mais c'est celle-ci, et il me semble que c'est la... Ah non, c'est la FD9. Voilà, donc ma pédale de Charleston, c'est celle-ci. Franchement, elle est pas mal, hein. j'en suis pas déçu. Le seul truc que je vais faire plus tard, je pense que je vais changer ce plateau charlet que j'aime pas trop. Donc, c'est-à-dire prendre un vrai pied de charlet, en fait, voilà. Mais franchement, là, donc ça, c'est la FD9, hein, voilà. FD9, qui franchement est bien et, tu vois, réagit assez bien. Il y a un système de ressort là, qu'il n'y avait pas dans les autres avant. Et je trouve ça plutôt bien. La sensation est assez proche de la batterie acoustique, franchement. Je peux même travailler, tu vois, ouverture et fermeture. Alors, j'ai un câble qui passe au travers. Une batterie électronique, c'est ça, hein, y a des câbles partout. Voilà, là je peux travailler par exemple mon talon pointe sans problème, ça marche assez bien. Tu vois la réactivité bien. Je trouve, alors, la V-Drum que j'utilise là aussi pour parler matos, c'est donc la TD-17, voilà,
les nouveaux modèles de TD17 que j'ai pris bien sûr chez Buddy Drum Shop, chez mes potos. Ouais, voilà. Donc c'est une très très bonne batterie, rapport qualité-prix pour de l'électronique chez Roland. J'étais assez surpris parce que ça reste quand même accessible. Alors accessible, c'est un bien grand mot, hein, c'est quand même très très cher. Ça reste du Roland, mais par rapport à d'autres modèles, je trouve quand même qu'on est pas mal du tout, quoi. Voilà. Les partitions en description, oui, bien sûr, je mettrai tout ça en description. Donc, je mettrai la samba et également le petit plan indépendance qu'on a vu là avec le pied gauche. Voilà, ouais, le vrai pied Charlet. Je suis d'accord avec toi, DJ Axis, c'est bien mieux que ça, mais bon, c'est tellement cher hein, le matos qu'on y va petit à petit, hein, on n'achète pas tout d'un coup. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous donner aussi quelques petits trucs, parce qu'on me pose pas mal de questions concernant les vidéos que je fournis, on va dire, entre guillemets, à la vente. Ce sont des capsules vidéo, donc sur demande. Par exemple, voilà, j'ai des élèves qui m'ont demandé certains exercices. Voilà. Hop. Voilà, un petit exercice de jazz. On voulait commencer un petit peu le jazz. Donc, je prépare deux petits exercices. Je donne la partition. J'explique la partition et je joue la partition. Voilà. Le principe des capsules vidéo, c'est ça. C'est-à-dire, alors attendez, hop, je vais faire face un peu parce que là, vous parlez un petit peu à mes mains. Voilà, comme ça. Salut tout le monde. Voilà. Donc, le principe de ces capsules vidéo, en fait, c'est que ben, c'est à votre demande. Vous allez me dire, tiens, j'ai envie de faire du jazz, j'ai envie d'apprendre un rythme latin. J'ai envie de savoir quel est le rythme de batterie qui est joué sur tel morceau. Bon, mais voilà, moi je vous écris une partition, je vous l'explique et je vous l'envoie. Donc ça, ce sont des capsules vidéo. Selon le temps que ça me prend, ce sont des capsules qui vont aller de 10 à 40 euros pour les plus grosses capsules. Voilà. Ensuite, il y a donc cette fameuse vidéo pédago qui regroupe 9 vidéos avec les partitions qui vont avec, plus une méthode de X pages que j'ai écrit moi-même. Hein. C'est tout ça en manuscrit, en PDF. Où là il y a tout, il y a donc votre position derrière la batterie, les réglages, la tenue de baguette, la lecture pour ceux qui ne savent pas lire de suite, la technique, la coordination, l'indépendance, donc toutes les bases essentielles de l'apprentissage de l'instrument. Alors c'est valable pour quelqu'un qui débute, mais c'est aussi valable pour quelqu'un qui est autodidacte et à qui il manque toutes les bases. Donc tout l'essentiel est là-dedans, et ça du coup c'est un pack que je vends à 199 euros. Donc les 9 vidéos avec les partitions qui vont avec et la méthode. C'est vraiment quelque chose de très 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 complet. C'est en gros votre première, deuxième année de batterie que vous achetez là complètement avec ce format-là. Voilà. Généralement j'envoie ça comme ça, c'est lourd, par voie postale sur clé USB. Voilà, c'est plus facile. Par contre, tout ce qui est capsule vidéo, ça, je l'envoie directement avec WhatsApp, ça passe très très bien. Voilà, donc pour répondre aux questions. Et la petite nouveauté, c'est que bientôt, là aussi, voilà, vous avez dû le voir en post sur YouTube. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Hein. C'est Seb-du-bas underscore, l'atelier du rythme Toulouse. Là, du coup, je vais sortir très très prochainement. C'est un projet, vous allez pouvoir voir le logo. Toute une petite ligne de fringues, voilà. Alors, il y aura des t-shirts, des sweatshirts, des casquettes, des bottes sur bêtes, enfin, plein de trucs. Pour les garçons, mais aussi pour les filles. Voilà. Donc ça va bientôt venir. Donc suivez-moi sur Insta ou même sur Facebook et vous verrez tout ça. Alors je vais essayer de répondre un petit peu à toutes les questions pour terminer cette première séance de deuxième confinement. Alors je vais essayer de remonter un peu, voir si j'ai rien raté. Peut-être pas pouvoir répondre à tout le monde, mais je suis pour investir dans une batterie électronique. Que me conseilles-tu? Petit Fabrice, du coup, qu'est-ce que je te conseille? Alors ça dépendra énormément bien sûr de ton budget, hein. C'est là que ça va se passer. Moi je suis super content de ce modèle-là, le TD17, vraiment top. Mais je crois que le prix public, on va être dans les 1400 euros, hein. C'est très très cher. Mais c'est tellement bien foutu. Celle-là, c'est en Bluetooth, je peux envoyer mon son de téléphone directement dessus, mes musiques jouer dessus. Il y a une fonction record, les sons des batteries sont vraiment très très bien. Hein. Bon là, j'en ai fait écouter quelques-unes, mais... voilà, là je suis sur un acoustique. Voilà, j'ai vraiment le cercle est bien, bien repris aussi. Et un peu de tout, hein. Bon, je sais pas ce que ça peut donner là comme ça en vidéo. Pour moi, elle est vraiment très, 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 très réussie par rapport à son prix. Même oui, c'est 1400 euros, c'est une grosse, grosse somme, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut savoir que chez Roland, ça peut monter à 3, 4, 5 000, 7 000, 8 000 euros. Ils ont des modèles qui sont vraiment très très chers. Donc là, 1 400 balles, on a vraiment quelque chose qui est très très bien. Après, vous pouvez bien sûr vous tourner vers l'occasion. Alors moi, je suis plus. Alors je ne suis pas du tout endorsé par Roland, hein,
pas du tout même d'ailleurs, j'aimerais bien, mais non. Plus pour Roland que pour Yamaha, voilà. Dans les deux grandes marques d'électronique, je suis plus sur ça. J'ai essayé d'autres modèles, Alesis, ou je sais plus, un truc qui est sorti, la ER, je sais plus comment ça s'appelle. J'aime pas. Même chez Pearl, j'aime pas trop ce qu'ils font. Je suis pro Roland, j'adore ça. Voilà. Donc pour la question batterie électronique, voilà, moi je serais plus pour te dire de prendre du Roland, sauf les modèles HD1 ou TD1. TD1 ou HD1, ça faut pas acheter, c'est pas bien. Voilà. Et chez Yamaha, rapport qualité-prix moins cher d'occasion, à 300 balles, on va avoir tout ce qui est DTX, DTX Explorer. Mais bon, tu vas être avec des pads en caoutchouc. Ce ne sera pas des pads en peau maillée comme ici, qui sont très très bien. Voilà. Alors j'essaie d'avancer un petit peu. VH10, VH11, oui, ça c'est bien, rapport qualité-prix, ouais. Ça c'est, voilà, c'est selon ton budget, hein. Si tu me dis j'ai 400 euros, j'ai 500 euros, j'ai 1000 euros, j'ai 2000 euros, tu pourras de plus en plus te faire un plaisir. Et Christiane Magier, alors voilà, si vous voulez les vidéos, pour les 9 vidéos, je vous donne mon mail qui est celui-ci, l'atelier du rythme. Toulouse@gmail.com. Est-ce que je l'ai bien écrit? Non, je l'ai mal écrit. Eh ouais, on fait le beau, mais pas les lunettes, mais après, on écrit mal. L'atelier du rythme, Toulouse@gmail.com. Voilà, je pense que je n'ai pas fait de bêtises. Donc voilà, si vous souhaitez donc ces vidéos-là ou des capsules, c'est par mail qu'il faut me contacter. Mon mail, vous le trouvez facilement dans tous les descriptifs de toutes les vidéos que j'ai déjà faites, sur mon Instagram, sur mon Facebook, sur le site internet, vous pouvez le trouver aussi. Il y a tout là-dessus. J'essaie de... On peut te contacter pour te demander de faire une vidéo. Oui, bien sûr, hein, voilà, par mail. Donc là, j'ai répondu à la question. Question technique, quand on fait le shuffle au charlet, on est en mode ternaire? Le shuffle, c'est ternaire. Oui. Alors oui, non, parce que les grosses caisses, pas forcément. Mais oui, parce que finalement, ce qu'on compte quand on fait du shuffle, c'est qu'on va compter des sextolés ou des triolés. Hein, ça dépend, hein, c'est divisible de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Donc oui, pense-le plutôt ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tu sais que tu peux me jouer un ghost note, ton 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on est vraiment sur du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ça, c'est... toc, toc, toc. Donc ça, j'ai répondu. TD1, KPX, c'est vraiment très bien, Seb. Alors, TD1 KPX, je ne le connais pas, donc je ne me permets pas, mais si tu l'as trouvé bien, je te fais confiance. Électronique TD11, c'est très bien, Vincent. TD11, c'est très bien. C'est du bon matos. Il y a les cymbales low volume, ouais, c'est pas mal aussi. J'ai testé ça chez Buddy, c'est vachement bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là, on n'est pas sur l'électronique, hein, on revient sur l'acoustique, c'est des vraies cymbales métalliques, mais qui sont très très fines et surtout transpercées de centaines de trous, qui fait que ça enlève de la matière et du coup, on peut les frapper sans casser les oreilles à tout le monde, ni même à ses voisins. Donc ça, c'est intéressant. Christiane, magasin Buddy, super sympa, envoi rapide. Ouais, vraiment, voilà, c'est pas la peine d'aller engrosser les grosses structures telles que Thomann. Là, on a un commerçant toulousain qui aura les mêmes prix que chez Thomann, même des fois moins cher sur certains produits, et qui va être efficace dans la livraison, qui sont sympas. Vous pourrez les avoir au téléphone, il y a un vrai SAV, c'est des vrais humains. Voilà. Pour ça aussi que là, par contre, oui, je suis partenaire avec eux et on travaille ensemble. Ça, c'est une certitude. Alors, des shuffles en quintolé. Oui, ça peut se faire, tout est possible. Il suffit d'enlever des notes sur les 5, hein, ça peut être intéressant aussi. Le Sega, j'ai fait une vidéo de Sega. Eran. On y viendra. Tu vas voir dans les playlists, tu vas voir, dans les playlists sur YouTube, tu pourras aller voir, il y a marqué vidéo, musique du monde, rythme du monde. Et là, tu vas le retrouver dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a un gaucher. Première impression, on m'avait conseillé de jouer en droitier. Aïe, aïe, aïe. Alors, Richard. Alors, ça, c'est des problématiques que je vois souvent. Donc, les gauchers qui jouent en droitier. Est-ce que c'est possible? Oui, mais. Si tu es un pur gaucher, quand je dis un pur gaucher, c'est par exemple
tu dois filer un coup de pied là tout de suite dans un ballon, sans réfléchir, vas-tu taper du pied droit ou du pied gauche? Bah, si tu tapes vraiment du pied gauche et que tu es vraiment tout à gauche, moi je t'invite à avoir ta batterie totalement inversée, c'est-à-dire voilà, à jouer en vrai gaucher. Hein? Voilà. Si maintenant tu es gaucher, c'est-à-dire que tu écris de la main gauche, mais tu as l'instinct de taper du pied droit, eh bien dans ces généralités-là, tu seras un gaucher qui, oui, va jouer à droite. C'est une étude que j'ai faite avec tous les gauchers que j'ai pu passer tout au long de ma carrière. Ça s'est avéré à chaque fois juste. Le vrai gaucher, il faut qu'il joue en gaucher. Voilà. Certains professeurs, des fois, ont un peu la flemme de dire non, mais vas-y, joue pas en gaucher parce que ton prof, il est droitier et qu'il n'a pas envie de te montrer en gaucher parce que c'est beaucoup trop dur pour lui. Bon, moi, je fais cet effort-là. Je suis très mauvais en gaucher parce que je suis droitier, mais je fais quand même l'effort d'aller jouer en gaucher. Voilà. Et il faut que si vraiment tu es un pur gaucher, il faut que tu joues en gaucher. Si maintenant tu es un pur gaucher, mais que ça fait déjà 3 ans que tu joues en droitier, ben, continue en droitier, on va pas te perturber maintenant par contre. Hein. N'importe quelle batterie, oui, je te conseille. Ça dépend si tu joues en droitier ou en gaucher, hein, ça n'y a pas de souci. TD9, peau mèche, c'est très bon. Oui, TD9, c'est très très bien. J'ai appris à jouer à position de droitier, mais en position ouverte. Bon, après, voilà, la batterie, tout est possible. Hein. Ouais Alexandre, ouais, il va y avoir des t-shirts, des suites sur la nouvelle gamme de freins que je vais sortir là. Des suites, j'ai rendez-vous lundi, voilà, avec le fabricant directement. Le logo est prêt. J'ai rendez-vous avec lui. Et puis ne vous inquiétez pas, sur Insta, vous allez voir tout ce qui pourra sortir. Et puis ensuite, c'est pareil par mail, il y aura les commandes en cours. Attention, il faut jouer en ambidextre. C'est un peu le débat des gauchers et des droitiers. Alors l'ambidextre, ça va être effectivement le fameux gaucher qui va taper du pied droit. L'ambidextre, c'est lui. Voilà, c'est pas le pur gaucher ou le pur droitier. C'est le gaucher qui va taper du pied droit. C'est lui l'ambidextre. Les adresses sur Lyon pour du matos, car Toulouse, ça fait une trotte. Écoute, Cyriaque, alors sur Lyon, je ne connais pas de shop. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que Buddy livre partout en France et même à l'étranger. Hein. Moi, ils m'ont livré des élèves que j'avais en Amérique latine. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu peux les appeler, il y a le site internet, ils sont en train de vraiment travailler dessus pour pouvoir commander en ligne. Bon, évidemment, tu ne peux pas l'essayer puisque tu es de Lyon, donc tu ne peux pas te déplacer à Toulouse. Mais par contre, tu peux les avoir en ligne, il n'y a aucun souci, tu peux commander à Toulouse. Surtout, n'hésitez pas à appeler de ma part, bien évidemment. J'essaie de continuer à pouvoir répondre un petit peu à vos questions. Swing, alors swing, on va être dans le jazz, hein? Donc swing, on va être sur du shabada. Je baisse un petit peu la caméra. Voilà, un petit peu comme ça. Donc shabada, on va être jazz. Donc là, ce qu'il va falloir, moi, plutôt que de compter, je vous invite à chanter da, shabada, 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 shabada. Voilà comment on peut travailler nos premiers swings. Shabada, 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 ta shabada, shabada, shabada. Voilà, swing, on va être là-dedans. Le fameux Shabada. Mais ça, ce sera aussi le sujet, pourquoi pas, d'une prochaine vidéo court hein, sur nos confinements. Merci Anne pour le logo. Alors, mon Instagram, c'est ça. Arrobase Seb underscore du rythme Toulouse. Voilà. Alors, Christiane, quoi mettre sur ma batterie pour ne pas gêner mes voisins? Tu peux mettre, Christiane, si tu veux, des serviettes dessus. Des petites serviettes, c'est juste pour les cheveux, là, elle n'est pas très grande. Tu les poses sur tes tomes, sur ta caisse claire. Tu coupes le timbre de ta caisse claire. Et là, déjà, ça va faire moins de bruit. Ensuite, concernant les cymbales, vous allez voir, j'ai fait un petit essai de matos chez Buddy. Il y a un système de chez Meinl, c'est deux petits aimants en fait qu'on va clipper sur la cymbale, un dessus, un dessous. Et ça mate vraiment, vraiment, vraiment les cymbales. Et ça coûte moins cher que d'acheter les cymbales là où, voilà, pour avoir un peu moins de son. Ça, c'est pas mal. C'est des petits gadgets, hein, ça vaut moins de 10 euros, ça, il n'y a aucun souci. Hein.
Les gauchers qui tapent du pied droit, c'est des gauchers contrariés. En tout cas, ce sont très souvent d'excellents batteurs. Voilà. Bien, les amis, je vais maintenant devoir vous laisser reprendre le cours de la petite vie normale. Et je vous dirai quand est-ce que je vais sortir, du coup, un prochain live. Du coup, pendant le confinement, plutôt que de mettre des vidéos tutoriels comme je le fais de temps en temps chaque mois, ben là, je vous ferai plutôt des vidéos live comme ça, où je vais partir un petit peu, enfin pas au hasard, mais voilà, sur quelques exercices que je vais me programmer. Et je vais toujours garder comme ça un 20 minutes, une demi-heure de petites questions-réponses, parce qu'on peut profiter du coup d'être ensemble, que vous puissiez vraiment me poser vos questions, que je puisse y répondre. Voilà. Alors, quand j'enregistre, tu veux parler, Erand, d'enregistrement de son? Je fais pas d'enregistrement de son. Je fais des enregistrements vidéo et toujours à l'iPhone. Voilà. Je suis très mauvais en mix de son. C'est vraiment pas mon truc. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt tout le monde. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo-là va être dans quelques heures remise en replay. Et dans le descriptif, j'irai mettre les petites vidéos que l'on a travaillées tous ensemble. Voilà. Et c'est avec plaisir que je viens vous aider comme ça. Et pour tout ce qui est demande technique, donc n'hésitez pas à me contacter, hein, par mail à l'atelier du rythme toulouse@gmail.com. Voilà. Et à me suivre aussi sur Insta où je donne un peu plus d'informations évidemment que sur YouTube où là j'en ai vraiment dans les cours. Et plein d'autres petites infos suivront sur Instagram. Je vous dis donc à très très bientôt. Et puis, prenez soin de vous et vivement qu'on sorte de ce calvaire. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Hop.